On a compris ça à un moment, que peut-être on était, par l'aspect pionnier, les gens qui pouvaient discuter avec l'administration pour dire « Là, ce que vous êtes en train de poser, c'est pas vivant, c'est contre nature. Les enfants ne peuvent plus rentrer dans les cuisines professionnelles, c'est contre nature. Les enfants ne peuvent plus manger les légumes qu'ils cueillent dans le jardin, c'est contre nature. Monsieur l'inspecteur, est-ce que vous pouvez nous aider à rendre ça possible ?» Et là, on est rentré dans ce qu'on a appelé, nous, l'aïkido administratif.